Right, thanks for coming. I am ashamed that I don't speak any French. I'm particularly ashamed so, given the fact that I studied French for 6 years back in school, but I was a very lazy student, so I think I don't speak any French. Merci d'être venu. Je suis très embarrassé que je ne parle pas du tout français, malgré le fait que j'ai étudié le français pendant 6 ans à l'école, mais j'étais un élève très paresseux. All right, so I was asked to introduce some of the main themes in this book, and it's called, I better not try to pronounce it in French, but the Anthropocene Against History. And the basic idea of that term is that there is some kind of a contradiction between, perhaps not the Anthropocene term, the concept itself, necessarily, but the narrative around that term that has developed, and an understanding of history. Donc, je suis venu présenter quelques idées dans le livre L'Anthropocène contre l'Histoire. Et donc, l'idée du livre, c'est pas tant que le concept de l'Anthropocène est contradictoire avec l'histoire, mais plutôt que. It's not so much against the concept of history, but. The context for this discussion, as I would like to see it right now, is the developments that we're seeing with a gradually establishing state of emergency in many parts of the global south caused by climate change. Just one recent example that you might not have noticed because it hasn't been garnering much of attention. There were very heavy floods in Peru over the past months that did enormous damage to the country's infrastructure, that swept away whole slum areas and villages and killed lots of people. I haven't seen the latest figures. If you go to southern Bangladesh, there is a silent abandonment of villages to the rising sea. In Egypt, the sea is pushing salty water ever further into the delta, and on it goes. At the same time, we have in the US, as you know, a president who's pushing to dig up and burn as much coal and oil as possible out of the ground in the US. Donc c'est pas tellement l'idée que le concept de l'Anthropocène est contre l'histoire, mais surtout le récit autour de l'Anthropocène pose problème pour la conception du développement historique. Donc tout ça, cela se passe dans un contexte de une série de désastres environnementaux dans les pays du Sud. On peut penser par exemple aux énormes inondations récemment au Pérou, qui ont détruit des villages entiers, etc. On peut penser à l'abandon complètement passé sous silence d'énormément de villages dans le sud du Bangladesh, ou bien de l'avancée de la mer et l'eau salée en Égypte. Tout ça dans un contexte, bien sûr, qu'on connaît, où le nouveau président américain s'est engagé dans une voie de maximiser l'exploitation du pétrole et du charbon. So, in this kind of global state of emergency, the question could be asked: whose fault is this? Who brought us to this mess? Who created this very dangerous situation? And one very common response to that question is all of us. So, all of us, humans in general, the human species as such, have brought about this very rapidly warming planet. Donc dans ce contexte d'une espèce d'état d'urgence planétaire permanent, la question qui se pose tout de suite, c'est à qui la faute, qui nous a mené à ce point de non-retour. Et une des réponses les plus immédiates, les plus évidentes, qui s'impose dans le discours, c'est que tout le monde est responsable. C'est en fait l'espèce humaine, les humains en général, qui sont responsables pour le réchauffement climatique et les désastres qui s'ensuivent. And this narrative, this idea that the human species as a whole is responsible for it, often comes with the term
the Anthropocene. And I'll just give one example of this way of thinking from a book that was published last year by the acclaimed Indian novelist Amitav Ghosh. And the book is called The Great Derangement, Climate Change and the Unthinkable, where Ghosh writes that global warming, and I quote here, is the unintended consequence of the very existence of human beings as a species. It is the product of the totality of human actions over time. Every human being who has ever lived has played a part in making us the dominant species on this planet. And in this sense, every human being, past and present, has contributed to the present cycle of climate change. Donc, dans ce récit, on peut citer, par exemple, le livre d'Amitav Ghosh, qui est sorti en 2016, Le Grand Dérèglement, le changement climatique et l'impensable, où Ghosh donne un exemple très clair de ce discours, où il dit que le réchauffement climatique est la conséquence non voulue de l'existence même des humains en tant qu'espèce. Ce réchauffement climatique est le produit de la totalité des actions humaines dans le temps, que chaque être humain qui a jamais vécu a joué un rôle en nous rendant l'espèce dominante sur la planète. Et dans ce sens-là, chaque être humain, dans le passé et au présent, a contribué au cycle présent de changement climatique. And if we take this seriously, it would mean that, for instance, Australian Aborigines who lived in windbreaks and hunted kangaroos with wooden sticks and caught possums with rope some 30,000 years ago actually participated in climate change, in the large-scale combustion of fossil fuels. Or a 15-year-old girl who was raped under the Middle Passage and thrown overboard also contributed to climate change. Or the commoners who protested against the first coal mines that encroached on their land in Britain. Or the climate activists who entered coal mines in Germany last year and shut down production. All of these people were humans and did human acts and contributed in that sense to the totality of human actions over time. But it really doesn't seem to me that there is any scientific foundation for the view that those people contributed to the present cycle of climate change. Donc, si on prend cette idée au sérieux, ça veut dire que, par exemple, les aborigènes en Australie, il y a 30 000 ans, qui chassaient avec des bâtons en bois, ont contribué en tant qu'êtres humains au réchauffement climatique et le développement des énergies fossiles. Il faut également penser qu'une jeune fille qui a été rendue esclave, violée et puis jetée du bateau qui l'emmenait aux États-Unis était également responsable. Il faut penser que les paysans qui protestaient contre le développement des mines de charbon en Angleterre pendant le XVIIe siècle également sont responsables en tant qu'êtres humains pour cette situation. Il faut penser également que les activistes écologistes qui ont envahi en Allemagne l'année dernière les mines de charbon et qu'ils ont réussi à les fermer, également en tant qu'êtres humains sont responsables, comme tout le monde d'autre, pour cette situation. The foundation for this view appears to be some version of the doctrine of original sin, or an extremely teleological and deterministic view of history, stating that humans were always predestined to develop large-scale combustion of fossil fuels. No matter who the people have been or the content of their actions, this was always bound to happen. But I think it would only be slightly more absurd to argue that all human beings that ever existed contributed to the election of Donald Trump. That just is not how history works.
And this is the point of the contradiction between this kind of anthropocene narrative and history. I believe that history has winners and losers, victories and defeats, conflicts between people, and the outcome at the end of the day is not determined by humanity as some kind of monolith, some kind of undifferentiated giant species that acts out its inner dispositions. Donc je pense qu'il n'y a aucune base scientifique pour cette conception. Je pense qu'elle est basée ou bien sur une espèce d'idée du péché originel, ou bien sur une conception déterministe et téléologique, comme quoi l'espèce humaine était vouée par son essence à développer les énergies fossiles à terme. C'est une idée relativement absurde, et on pourrait également dire que tous les êtres humains qui ont jamais existé ont contribué à l'élection de Donald Trump. Donc là, je viens au cœur du propos sur l'anthropocène contre l'histoire. Je ne pense pas que l'histoire se développe d'une telle manière, de façon linéaire et théologique. Je pense que l'histoire se divise entre les gagnants et les perdants, entre les défaites et les victoires, et est scandé par les conflits et les contradictions, et pas par le déploiement d'une logique immanente. I could give many other examples of this kind of narrative, this story about humans in general causing the problem of global warming. I don't have time to do that now. I just want to say that there are two consequences of this kind of narrative that immediately strike the eye. And the first is that it gives no room for radical action against fossil fuels. It doesn't point to any way forward for strategic mobilization against fossil fuels. Because if all of humanity is to blame, if even the entire past existence of humanity is the cause of this problem, then how can we even hypothetically get out of this mess? The only kind of policy prescription that this analysis can come up with is some kind of misanthropic deep ecology, that we should reduce the existence of the human species by perhaps having fewer kids or reducing human population or something like that. And that is a kind of current within the environmental movement and within environmental theory that has thankfully lost a lot of support since the 1980s, when it was still quite popular, because it basically has no relevance to the people in the global south that suffer from the actual consequences of global warming. It is completely irrelevant to the people that struggle for survival in the face of the adversaries that climate change causes. Donc le problème de cette conception, bien sûr, c'est qu'elle se base sur une idée complètement monolithique de l'espèce humaine comme une espèce de bloc qui peut pas être considéré comme plus qu'un bloc monolithique. Et il s'ensuit des conséquences politiques assez graves, je pense. Premièrement, qu'il est impossible, se basant sur cette vision du monde, de promouvoir la moindre politique radicale contre les énergies fossiles, parce que si l'espèce humaine, y compris dans son passé le plus lointain, est responsable pour ce développement, il est strictement impossible de penser d'un point de vue stratégique sur les formes de mobilisation pour y dépasser. Et deuxièmement, la seule politique vraiment qui peut se développer sur cette base, c'est une forme d'écologie profonde, disons, entre guillemets, qui promeut l'idée que c'est le problème, ce serait la surpopulation, et la seule solution serait des actions démographiques pour réduire la surpopulation. C'est un courant qui était encore dans les années 80 dans l'écologie assez fort. Heureusement, ce courant a décliné, et c'est assez évident pourquoi, c'est-à-dire c'est un courant qui a strictement aucune prise sur
les situations dans les pays du Sud où les gens se battent pour la survie même. C'est des formes de politique qui ne leur parlent pas du tout et qui n'ont aucune prise sur leur situation extrême. And secondly, and this follows from the first, this kind of view has nothing to offer the social movements that actually struggle on the ground against business as usual, against the fossil fuel industry or whatever you want to call it. For the activists who try to stop coal and oil from leaving the ground, who oppose new runways, who wage divestment campaigns on campuses, who protect rainforests, for them it just makes no sense to say that all humans are to blame for global warming. But perhaps most importantly, I very sincerely believe that this narrative is factually incorrect in the sense that it doesn't capture adequately the basic facts of the history of the fossil economy or business as usual. Donc évidemment, cette idée, ce récit n'a rien à proposer aux mouvements sociaux qui se battent réellement sur le terrain contre les développements du capitalisme anti-écologique, que ce soit les mouvements qui se battent contre les aéroports comme à Notre-Dame-des-Landes, que ce soit les activistes qui se battent pour défendre les forêts, etc. L'idée que l'espèce humaine en tant que telle est responsable pour cette situation n'a strictement rien à proposer pour leur stratégie ou pour leur forme de mobilisation. Mais encore plus important, je pense que ce récit est factuellement faux, est erroné et ne rend pas compte des éléments vraiment importants de l'histoire du développement des énergies fossiles. And this book contains some attempts at telling another story about the history of climate change going back a couple of centuries to the original rise of large-scale fossil fuel combustion in Britain and in the British Empire, largely focused on the technology of the steam engine. And to try to bring out the conflicts and the antagonisms that have been inherent to this history from the very beginning. From the very beginning, it was a tiny minority of the human species consisting of white men, primarily from Britain and then subsequently from other Western countries, that created the fossil economy and imposed it, often through direct violence, on the rest of humanity. Donc ce livre propose quelques éléments pour un contre-récit sur l'histoire sur cette histoire du développement des énergies fossiles en remontant le fil jusqu'à l'Angleterre il y a 2-3 siècles avec le développement l'énergie vapeur pour montrer que dès le début, dès les origines même de cette technologie et ses formes d'utilisation d'énergie, les conflits et les contradictions se présentaient déjà, et que dès le début, ce n'est qu'une infime minorité d'hommes blancs, essentiellement de l'Angleterre à l'origine, qui bénéficiaient de cette forme d'énergie, et que dès le début, cette forme d'énergie a été imposée sur d'autres régions du monde, souvent avec une forme de violence absolument inouïe. In this sense, one can, I'm quitting now. Take your time. In this sense, one can perhaps view the Trump era as the highest stage of the fossil economy because it so clearly and explicitly articulates the unity between large-scale fossil fuel combustion and various types of imperial and racist aggression. It's been clear from Trump's first day in office that he's very adept at combining those two things. On the one hand, getting up as much fossil fuel as possible, and on the other, waging various types of war on immigrants, on foreign countries, you know, the type of imperial aggression that he's been engaging with over the past months with the bombing of Syria, Afghanistan, the saber-rattling with North Korea. This goes hand in hand with his attempt to accelerate the consumption of fossil fuels as we're approaching
truly dangerous climate change. And I think there is some kind of a logic to this madness that goes a long way back, because the fossil economy has been entangled with all sort of power relations from the very beginning and throughout its history. It's been racist, imperialist from the very start, and now Donald Trump is really showing its kind of true face. And then it becomes, to me, so very strange to adopt this kind of grand specious narrative and not focus on the conflicts, the injustices of this this era of climate change. That's about it. Donc pour moi, je pense que on peut voir le président Trump et son administration comme un peu le stade ultime de ce développement, dans le sens où il articule très bien une logique, un terme qui existe dès le début, mais il le porte à son paroxysme, c'est-à-dire le développement des énergies fossiles à grande échelle d'un côté et des formes d'agressivité raciste, militariste, impérialiste de l'autre. Trump démasque un peu la logique immanente et montre comment cette course frénétique à l'utilisation maximale des énergies fossiles dans cette phase de réchauffement climatique catastrophique se marie très bien avec des formes d'agression raciste contre les immigrés à côté, mais aussi militaire et impérialiste à l'étranger, que ce soit en Syrie, en Afghanistan, ou de forme latente, mais de plus en plus patente, avec par exemple la Corée du Nord. Donc Trump, c'est un peu cette logique menée jusqu'au bout et démasquée. Et c'est pour ça que je trouve ça d'autant plus bizarre qu'on puisse encore épouser l'idée du récit de l'Anthropocène, c'est-à-dire dans ce sens où l'espèce humaine serait responsable en tant que telle. Merci. Est-ce que quelqu'un a déjà une question à poser ? Alors du coup, on peut peut-être revenir sur un point qui est longuement développé dans le livre sur la machine à vapeur, parce que c'est un exemple assez édifiant. Moi, comme tout à chacun, je pensais que ça avait été développé simplement parce qu'une fois que la technique était découverte, il y avait beaucoup plus d'efficacité, mais en fait, vous montrez que non, pas du tout, que les 50 années qui ont suivi, même le moment où elle est devenue majoritaire, elle était moins efficace que les autres techniques. Du coup, est-ce que vous pourriez expliquer justement, parce que c'est un des exemples de ce pourquoi on a développé l'économie fossile. Voilà. So, on the steam engine and why, how you show that in fact it was much less efficient than water power even in the 50 years where it became again dominant. Okay, so there was a time at the start of the Industrial Revolution when British manufacturers had the choice between water power, which was the traditional energy source, and steam power, which was the one. And for about half a century, about 50 years, they quite consistently chose to stay with water power as the predominant energy source. And this was because water was cheaper, and it was an abundant energy source still. And water wheels were equivalent to the steam engines in their purely technical capacity, in the sense of how much horsepower they could produce and things like that. Donc effectivement, au début de la révolution industrielle en Angleterre, les deux formes d'énergie fossile, le charbon et donc la machine à vapeur d'un côté, et l'énergie, comment dire en français, hydraulique, étaient en concurrence, et les industrialistes anglais avaient une préférence très nette pour l'énergie hydraulique, tout simplement, pendant plusieurs décennies, quand ils avaient le choix, parce que l'eau était bon marché, abondante, et que, tout simplement, d'un point de vue technique, les roues
étaient plus efficaces en termes d'énergie produite. So this raises the question: why did the capitalists in Britain eventually shift to steam power? And the answers that I've come up with are that, first of all, steam power was mobile in space. You could put up a steam engine anywhere you liked, and that allowed capitalists to locate production where conditions were most profitable, and that meant primarily where labor supplies already were already present in the towns, that is, where you had workers who were cheap and disciplined, and that afforded a great advantage to capitalists that didn't have to move into the countryside. And also, steam engines were reliable in time, so they could be switched on and off at any time, whereas water wheels were subject to fluctuations in the weather. Donc, pour expliquer pourquoi, malgré la supériorité, semble-t-il, de l'énergie hydraulique, les industrialistes anglais ont choisi plutôt la machine à vapeur, j'ai proposé deux pistes. La première, c'est que l'énergie que la machine à vapeur était plus mobile. Géographiquement, on pouvait le resituer de façon beaucoup plus facile, surtout près des grandes réserves de pouvoir de travailleurs, c'est-à-dire près des villes, là où il y avait des grandes réserves de force de travail. Et des forces de travail d'autant plus motivées, disciplinées, etc. Et donc, ça évitait le problème d'être obligé de resituer la production dans la campagne ou près des sources d'énergie hydraulique. Et deuxièmement, bien sûr, l'énergie, la machine à vapeur, était beaucoup plus fiable. Dans le sens où, en termes de temps, temporalité, on pouvait l'éteindre et le rallumer quand vous voulez, tandis que l'énergie hydraulique était plus fluctuant par rapport à la météo et les conditions climatiques, etc. So the argument here is that this original shift to fossil fuels in Britain was preconditioned by the class struggle, to put it simple, by conflicts between labor and capital. The steam engine was eventually preferred by capitalists because it was a better instrument for exploiting labor than water power. And this just shows to me how intimately these very consequential energy choices were bound up with social conflicts and power relations from the very start, against any idea of the human species as a whole being responsible. Donc on peut dire que dans ce grand changement du pouvoir hydraulique au pouvoir des énergies fossiles et la machine à vapeur, donc ce grand mouvement était surdéterminé par la lutte de classe, la lutte des classes, par le conflit entre le travail et le capital. Et pour moi, c'est très parlant parce que ça montre que dès le début, la question des formes d'énergie est complètement imbriquée avec des rapports de pouvoir, des rapports de conflit et des contradictions sociales. Est-ce que quelqu'un a une question ? Vous dites en fait que du coup, si la machine à vapeur se développe, donc pour se rapprocher des villes, etc., c'est au-delà de ça, c'est que le capital a besoin de créer son propre espace et son propre temps, un espace abstrait et un temps abstrait. Du coup, est-ce que vous pourriez revenir sur cette notion-là et aussi expliquer pourquoi c'est encore ce besoin du capital essentiel d'avoir son propre espace-temps qui empêche le développement des énergies renouvelables aujourd'hui. So the shift was, so the capital seemed from abstract space and time. Could you develop this a bit more and also
relate this to the question of why renewable energy today is applicable in Canada? Well, yeah, those concepts are abstract. Space and abstract time are meant to capture precisely the freedom of capital to create its own spaces and its own times, disregarding the concrete natural conditions in space and time. And fossil fuels were very beneficial in this project because they allowed capital to break out of the special constraints of renewable energy sources, as we would call them today, and likewise the temporal constraints. And you see, you want to comment? You see today a similar situation where renewable energies, as we call them today, primarily solar power and wind power, not so much water power any longer, are often questioned because they are bound in space and time. So the sun obviously doesn't shine everywhere, and it shines much more in some spaces, such as deserts, and the wind blows much stronger in straits and on flat plains and some mountain areas, whereas in other places the wind isn't that very strong. And you obviously don't have any sun in the night, and the wind comes and goes. And this is constantly held against renewable energies as being their major disadvantages and the reasons for why we have to go on with fossil fuels. Donc effectivement, je développe l'idée que le capital doit créer une forme de temporalité et de spatialité abstraite pour montrer comment, avec le développement des énergies fossiles, le capital a réussi à s'émanciper des conditions concrètes naturelles pour se déployer au maximum. Et effectivement, le même problème se pose de nos jours, c'est-à-dire qu'il y a tout un discours qui critique les formes d'énergie renouvelable, déjà l'eau, l'énergie hydraulique, on pourrait le comprendre comme une forme d'énergie renouvelable, mais les formes d'énergie renouvelable actuelles, c'est-à-dire surtout l'éolienne et le solaire, sont critiquées précisément parce qu'elles ne s'accordent pas entièrement avec cette abstraction spatiale et temporelle. Parce que le soleil ne brille pas partout de la même intensité, dans les déserts plutôt que dans d'autres endroits, pas pendant la nuit, que le vent souffle pas toujours de la même intensité, pas toujours dans les mêmes endroits, etc. etc. Donc ce sont des critiques, des limites qui sont postulées par les capitalistes par rapport à ces formes d'énergie renouvelable, encore maintenant. So if there were to be a total shift from fossil fuels to renewable energies, as there has to be, according to unanimous climate science, perhaps our systems of production would have to be more constrained and limited in terms of space and time. So fossil fuels seem to still be a precondition for completely abstract space and abstract time, in the sense that they permit capital to locate production wherever it's cheapest and to accelerate production, whereas renewable energies would perhaps have to bind production to places where the energy sources are located and to the places when they are available. That said, there are great technological potentials for overcoming those limitations of renewable energy, but those technological solutions seem to require large-scale infrastructure investment and planning and coordination on a scale that private capitalists are not capable of and not interested in doing. That's at least how it seems to me. Donc ce qui s'ensuit, c'est que une transformation totale du système d'énergie vers le renouvelable, 100% renouvelable, demanderait des changements dans les formes de production, les modes de production, pour prendre plus compte précisément des contraintes spatiales et temporelles.
pour ne plus exister dans une forme d'abstraction comme le capital, qui effectivement dans cette abstraction peut se déplacer dans la poursuite de l'endroit le plus où on fait le plus de bénéfices et peut s'accélérer sans limite. Une forme de production qui serait basée sur les énergies renouvelables serait peut-être contrainte à s'ancrer plus dans des endroits où les énergies sont produites ou sont disponibles. Ceci étant dit, c'est pas pour nier le fait que des potentialités technologiques existent pour surmonter ces problèmes, ces limites, ces contraintes. Ces possibilités technologiques existent, sauf que pour les réaliser, il faudrait des formes d'investissement, de planification et d'infrastructure de très grande échelle que, en général, le capital privé n'a ni envie ni la capacité d'entreprendre. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être venu. Juste, je vous encourage vraiment à lire le livre parce qu'il y a encore plein de choses qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer là ce soir. Mais voilà, il est très dense, il y a beaucoup d'informations, il y a des citations, tout ça, il y a beaucoup de chiffres. Voilà, il y a encore plein de choses. Voilà, je vous encourage à jeter un œil dessus. Merci.